Salut à tous, c'est Oni, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour un concours de blagues contre Eden. Ça fait extrêmement longtemps. Je devais affronter la salle, mais ça sera la semaine prochaine sûrement. Mais en tout cas cette fois-ci les gars, on affronte Eden. Eden a préparé des blagues. Alors nous avons aujourd'hui comme juge, oui forcément il y a des juges qui vont devoir choisir quelle est la meilleure blague à chaque fois. Nous avons la salle, bonsoir la salle. Bonsoir, alors moi je ne rigole pas pour rien. Nous avons Razor. Bonjour, rigole pas pour rien. Et nous avons Yacine, les trois juges de cette vidéo. Vous dans les commentaires, vous pouvez voter entre Unmin et Eden selon vous à la fin de la vidéo qui bien du coup remporte la partie. Est-ce que vous êtes prêts les gars? On est ready. Donc moi, on moi est prêt, je suis on est prêt, on est là. Je suis depuis ma voiture pour éviter que voilà, ça voilà. Parce qu'Eden il a un rendez-vous chez la gynéco, donc du coup forcément. Ouais, là faut qu'ils c'est pour ça. Faut qu'ils s'occupent. Alors, on commence Eden, tu commences ou je commence? Première blague. Commence, c'est ta vidéo quand même. Ok, alors, c'est une petite blague plutôt sympathique les gars. Est-ce que je peux vous la faire ou vous êtes chaud ou pas les gars les juges? On est prêts. Bah oui, bien sûr, on attend que ça. Alors, comment on fait pour ranger des pains au chocolat? Je sais pas. Dans l'ordre décroissant. Les gars, celui qui rigole, franchement, la vie de la mère, on le tabasse. Hein. Non, mais y'a que lui que ça le fait rigoler en fait. Y'a que dans l'ordre décroissant. Genre, c'est décroissant. Une question, on doit noter le mal. Franchement. Attends, vous mettez une note de malaise et vous mettez une note de. Il faut mettre une note sur 10. Ouais. Aïe. Moi je mets malaise sur 10. Vas-y, donne à ton tour. Bon, allez, moi franchement je dirais 3 sur 10 hein, parce que. Ça va, merci. Alors, vas-y, moi je le fais à mon tour. Alors les gars, est-ce que vous savez d'où ils viennent les gens les plus dangereux en France? Non. Eh ben, ils viennent. Non. Ils viennent d'Angers. D'Angers, du coup. Il a rigolé. Elle est pas mal, celle-là. C'est un peu mieux, c'est un peu mieux. Alors, ouais, celle-là. Je suis mort. Elle est pas mal, Elle a eu du love, Bien joué, Dan. Bien joué. Ah, bah, okay, du coup, Je mets un 5 sur 10, donc pour la première, c'est Eden qui prend le point. Ok, bah Eden, tu lances les hostilités, du coup je vois que t'es chaud. Moi je dirais 6 sur 10. Ok, vas-y, une autre. Bon, je vous explique, en fait c'est un mec qui est au téléphone avec son ex, tu vois. Ouais. Et son ex, elle lui demande, elle lui dit, ouais, ça va depuis le temps et tout. T'en penses quoi? Tu penses quoi de moi? Enfin, est-ce que tu penses encore à moi, quoi, tu vois? Ouais. Et lui, il lui dit, bah carrément, j'ai rêvé de toi, carrément, tu vois. Mmh. Il lui dit j'ai rêvé de toi cette nuit. Et elle a dit mais attends, je faisais quoi dans ton rêve? Et tu sais, il lui dit quoi? Il lui dit bah tu flottais. Après elle lui dit mais comment ça je flottais? Après il a dit bah oui, après j'ai tiré la chasse d'eau. Je rigole pour le malaise en fait, pour le blanc. En gros c'était une merde quoi. Elle est pas mal. Moi je donne ma note malaise sur 10. Ah ouais, Razor, il a dit qu'elle était pas mal alors qu'il a même pas rigolé. Je suis même pas sûr de l'avoir compris bien entier, mais voilà. Ok. Oui, moi j'ai une blague, les gars. Moi j'ai une blague qui va vous faire rigoler. Ok. Alors, c'est l'histoire d'un steak haché, les gars, ok? Un steak haché comme on l'achète dans une boucherie. Et une saucisse, bah pareil, donc c'est un steak haché et une saucisse. Et du coup, la saucisse, elle dit au steak haché, ouais, genre, je t'ai pas vu aujourd'hui, comment ça se fait? Et le steak haché répond, bah c'est normal, j'étais caché. Ah ouais, c'est des blagues de primaire, hein, frérot. Malaise sur 10. Ah ouais, malaise. Ah bah là, je crois que c'est ta blague qui est. Là, c'est ta blague qui est hachée. Ok, vois, à mon tour, vas-y, parce que les gars. Bah, attendez, comment ça, vous votez pas pour moi, les gars? C'est qui, moi, là, vu que c'est malaise sur 10. Ah bah, du coup, vous devez voter, les gars, les juges. Qui pour la deuxième? Égalité pour moi. Ouais, bah, point partout alors. Allez, donc ouais, ça fait 2-1 hein. Okay. Pour Eden. Okay. Alors, les gars. Ok, les gars. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Alors, est-ce que vous savez comment on appelle une p*** au régime? Déjà, ça commence bien. Est-ce que vous savez? Non.
Eh ben, on appelle ça une grosse p. Le bas. Ah là, non, t'as hyper, ça va être très souvent. Ça, c'est trash, ça. Vous êtes malades, les gars. Ah, je pense qu'il y aura des bips, mais. Moi, perso, je mets 8 sur 10. 8 sur 10, toi ouais, ah ouais, mais les gars, moi c'était deux ou pas la salle, Tac, attendez pas ça. Ok. Allez, moi, j'irais 7,5 sur 10. Bon, les gars. Ok, vas-y. Alors, du coup, je vous explique. Bon, on va dire Chloé, parce que la meuf, elle s'appelle Chloé. Donc, c'est Chloé. Elle est à la boulangerie, du coup. Ouais. Et elle regarde un millefeuille, tu vois. Sauf que okay. Le millefeuille, il coûte cher, tu vois. Genre, il coûte 4 euros. C'est 4 euros, c'est quand même cher, tu vois. Du coup, elle dit, bon, ok, c'est pas mal. Elle regarde à la vitrine. Elle dit, bon, c'est sympathique, ce millefeuille. Je vais faire quoi? Je vais rentrer dedans. Du coup, elle rentre dans la boulangerie. Et elle dit, je voudrais 500 feuilles. Parce que j'ai que 2 euros. Bon, Aiden, t'as le point. Ouais, ok, bon bah, ouais, je vais attendre. On est d'accord, il est le point, Aiden. Parce que ouais, j'ai que 2 euros, les gars. Aiden, parce que là, elle rentre, elle met feuilles 4 euros, 500 feuilles 2 euros, vous avez pas compris. Ok, bon, bah, ça va. Que, bah, ah ouais, plus. Ah, vous voulez me faire en fait aujourd'hui. Ok. À mon tour, Aiden, je sais pas, t'aurais dû prendre un jury d'une moyenne d'âge de 10 ans. T'aurais peut-être gagné, mais là, nous, on peut pas te faire gagner, quoi. Ok. Vas-y, Eden, go. Alors, comment on appelle un druide avec deux valises? Je sais pas. Un représentant de mes cou. Petit rictus de Razor. Razor, il a rigolé un peu. Il a rigolé. Non, c'est pas moi, elle était pas moi. C'est jeu, c'est joli. Je suis mort, Razor. Voilà. Ok. Alors, la salle, j'avais une question à te poser. Oui. Tu connais le film Constipé? Non. Normal, il est pas encore sorti. Bon. Ah, mais oui. Il a rigolé. J'ai un putain de jus dans la poche, les gars. Ouais, le mec. Appelle-toi pour le 3. Hein. Mais il a rigolé en retard quand même, je trouve. Ouais. Il a deux tons, le mec, quoi. Il avait du ping. Ouais. Ok, oh bah il donne à ton tour. Ça, c'est un fou rire, ça c'est un fou rire, tu vois, c'est... Bah du coup, vous votez qui, les gars, pour la... Attends, du coup, il y a 3-1 pour Eden. Vous votez qui pour la 4ème? Bah, encore Eden, je pense, hein. Bah, okay. Ouais. Pas mal, ouais, les gars, là, vous régalez, là. Ça fait 4-1, ok. Ok, bon, maintenant, je vais en faire une autre. Alors, quelle est la différence entre un rappeur et un campeur? Vous trouvez ou pas? Je sais pas. Le rappeur est une et le campeur ils vont t'attendre. Attends, mais comment ça en fait, c'est pas mal. C'est par rapport au groupe NTM le premier truc. Bah je pense ça. Même lui il a pas compris la blague. Même lui il a compris. La violence, oh, ok, je vais contre-attaquer, pas de soucis. Moi j'aime bien. Et Signia il va carrément la ressortir, donc parfait. Alors, du coup j'imagine que là je dois contre-attaquer. Ouais, fort. Hein. Ah mais ça va être tendu là. Quelle est la différence entre un caca et un pipi? Alors, moi j'avais une. À votre avis, les gars, pourquoi les garagistes quand ils meurent? Genre un garagiste quand il meurt, il peut pas devenir ange. Parce qu'il a une ange Oliver. Bah parce qu'il a déjà fait la vidange. Ah. Oh. Bon bah Eden, pas de point, hein. Ouais bah ouais Eden. Non. Désolé Eden. Vous l'avez pas, l'avez pas Nune, franchement je... voilà mais là. Voilà, quoi, Eden, en... Ok bah 4 hein. Volonté. Eden t'as encore une petite blague en stock? Bien évidemment. Alors les gars. Ok. Quelle est la différence entre Rocco Siffredi et Karl Lagerfeld? Je sais pas.
Bah ils en ont aucune parce que les deux ils ont une queue de cheval. Ah bah, ça passe pas. Eh gros, je vais mettre que des pipes à chaque truc en fait. Voilà. La vidéo va s'appeler Pip Pip. Mais attends, queue de cheval, c'est quoi le bip? Non, non, pas là, mais je parlais avant quoi. Alors, du coup, je me disais. Que ouais. Dit un Mexicain quand son t-shirt est taché? Oh, hombre. C'est sale, ça. M'en douter. Ah ouais, ouais. C'est... Une, si tu veux, je peux t'en donner une. Il fallait dire mieux, meilleur la blague, genre avec l'accent, tu vois. C'est ça, en fait, la blague, elle aurait pu être bonne, mais... C'est sale, ça. Vous avez pas compris? Ouais, c'est sale, ça, tu vois. Bon, allez, une petite dernière, Eden, une petite dernière. Alors, les gars, est-ce que vous savez c'est qui le leader spirituel des roues? Non. Attends, si, Non, je l'ai vu. La salle, la bête. La salle. De quoi? Tu l'as peut-être? Non. Eh ben les gars, c'est le gourou. C'est le gourou. J'ai ricané quand même, j'ai ricané. Attends, est-ce que tu sais comment on appelle un roux dans un four? Non. Un routi. Elle est pas mal celle-là. Ah, c'est vrai, c'est pas mal, mais... Bon, on va clôturer sur ma blague du coup les gars. Et les juges prendront leur décision finale sur ce concours de blagues. En tout cas, si vous voulez un épisode 2 contre la salle, eh ben, dites-moi les dans les commentaires. On va affronter la salle. Et il y aura aussi Eden contre la salle, mais le prochain sera moi contre la salle. Et du coup, la dernière blague, du coup, pourquoi il n'y a plus de mammouth sur Terre? Oh. Parce qu'il y a eu trop de mammouthés. Parce qu'il n'y a plus de papout. Voilà. Ah, j'ai pas compris la blague, mais elle est marrante. Elle est pas mal. Elle est pas mal, Saïsine, t'as vu? Elle okay. est pas mal, mais j'ai rien compris en fait à la blague. C'est pour ça qu'elle est marrante, parce que j'ai rien compris. Et bof. Ok. Si t'avais dit parce que Moquet les a tous mangés, on aurait peut-être pu rigoler, ouais, mais. Ça aurait été plus drôle. Ouais, c'est plus drôle, ouais. Bon, du coup, les gars, vous votez pour qui vainqueur? On va commencer par Razor. Moi j'ai dit Aiden, hein, c'est fini. Hein. Ok. Merci. Yacine. Aiden aussi. Hein. Oh, merci les gars, ça fait deux votes. La salle. Si tu votes. Et bah moi je vais mettre Aiden aussi. Ah bah Victor donc total, c'est un 3-0, ouais, vous êtes en train de me dire là? Ouais, c'est un 3-0, ouais. Emile. Bon bah ouais. Les gars, je vais aller faire d'autres blagues. Sur ce. Unwin.